Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors, comme d'habitude, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Lila. Alors, il s'agit de Tartine. Qui est Tartine? C'est la tortue. C'est la tortue de la classe. Alors, ici, c'est le père de Lila et Roman. Le voici. Voici la mère de Lila et Roman. Alors, tout le monde ici cherche Tartine, la tortue de la classe. Mais pas Roman. On va comprendre pourquoi. Alors, écoutez maintenant l'histoire. Tartine a disparu, Tartine a disparu. Il est là et ravi, elle garde Tartine, la tortue de la classe. Elle a installé la cage dans le jardin à l'abri du mur, lui a apporté de la salade. Et Tartine a sorti sa tête, mais le mardi, catastrophe, Tartine a disparu. Le père et la mère de Lila cherchent la tortue, mais pas Roman. Soudain, maman comprend et elle dit « Roman, c'est toi qui as caché Tartine, dis-nous où elle est ». Dis-nous où elle est. Alors je répète encore fois. Lila est ravie. Elle garde Tartine, la tortue de la classe. Elle a installé la cage dans le jardin à l'abri du mur. Lui a porté de la salade et Tartine a sorti sa tête. Mais le mardi, catastrophe, Tartine a disparu. Le père et la mère de Lila cherchent la tortue, mais pas Roman. Soudain, maman comprend. Elle dit, « Roman, c'est toi qui as caché Tartine. Dis-nous où elle est. Dis-nous où elle est. » Alors maintenant, je vais vous proposer ces questions de compréhension. Alors, regardez bien. Compréhension. Les farces. Qui est Tartine? Qui est Tartine? Où est-elle installée? Où est-elle installée? Qui est Tartine? Où est-elle installée? Pourquoi est-ce que la catastrophe mardi? Pourquoi est-ce la catastrophe mardi? Pourquoi est-ce la catastrophe mardi? Qui a caché Tartine? Qui a caché Tartine? As-tu dit j'ai fait une blague à quelqu'un? Raconte. As-tu dit j'ai fait une blague à quelqu'un? Raconte. Qui est Tartine? Où est-elle installée? Pourquoi est-ce la catastrophe mardi? Qui a caché Tartine? As-tu dit j'ai fait une blague à quelqu'un? Raconte. Je vous laisse quelques mots, bien sûr, à réfléchir. Et maintenant, regardez bien, écoutez bien. Regardez bien les questions, bien sûr, écoutez bien l'histoire. Tartine a disparu. Lila est ravie. Elle garde Tartine, la tortue de la classe. La tortue de la classe. Elle a installé la cage. Elle a installé la cage. Dans le jardin, à l'abri du mur. Dans le jardin, à l'abri du mur. Elle lui a apporté de la salade et Tartine a sorti sa tête. Elle lui a apporté de la salade et Tartine a sorti sa tête. Mais le mardi, catastrophe, Tartine a disparu. Tartine a disparu. Le père et la mère de Lila cherchent la tortue. Le père et la mère de Lila cherche la tortue. Mais pas Roman. Soudain, maman comprend. Elle dit, Roman, c'est toi qui as caché Tartine.
Roman, c'est toi qui as caché Tartine. Dis-nous où elle est. Dis-nous où elle est. Dis-nous où elle est. Tartine a disparu. Écoutez bien, essayez de lire avant de répondre aux questions. Tartine a disparu. Tartine a disparu. Lila est ravie. Elle garde Tartine, la tortue de la classe. Elle a installé la cage dans le jardin à l'abri du mur. Elle lui a apporté de la salade. Et Tartine a sorti sa tête. Mais le mardi, catastrophe. Tartine a disparu. Tartine a disparu. Le père et la mère de Lila cherchent la tortue. Mais pas Romane. Soudain, maman comprend. Elle dit, Romane, c'est toi qui as caché Tartine. Dis-nous où elle est. Dis-nous où elle est. Tartine a disparu. Lila est ravie. Elle garde Tartine, la tortue de la classe. Elle a installé la cage dans le jardin, à l'abri du mur. Elle lui a apporté de la salade. Et Tartine a sorti sa tête. Mais le mardi, catastrophe. Tartine a disparu. Le père et la mère de Lila cherchent la tortue. Mais pas Romane. Soudain, maman comprend. Elle dit, Romane, c'est toi qui as caché Tartine. Dis-nous où elle est. Dis-nous où elle est. Alors, il faut lire tout simplement correctement ce texte, l'histoire de Lila. Tartine a disparu. Et on va comprendre, bien sûr, les questions et les réponses. Alors, première question, qui est Tartine? Où elle est installée? On dit, Tartine est la tortue de la classe. Tartine est la tortue de la classe. Où est-elle installée? Et alors, Lila a installé la cage. Lila a installé la cage dans le jardin à l'abri du mur. Ça veut dire tout simplement que la tartine, la tortue, est installée dans la cage, dans le jardin à l'abri du mur. Tartine est installée dans la cage, dans le jardin à l'abri du mur. Pourquoi est-ce la catastrophe mardi? Pourquoi est-ce la catastrophe mardi? Alors, mais le mardi, catastrophe, Tartine a disparu. Tartine a disparu. Tartine a disparu. Le mardi, c'est catastrophe. Pourquoi? Parce que tout simplement, Tartine a disparu. Tartine a disparu. Qui a caché Tartine? Qui a caché Tartine? Qui a caché Tartine? Alors, c'est Romane. C'est Romane qui a caché Tartine. C'est Romane qui a caché Tartine. Soudain, maman comprend. Elle dit, Romane, c'est toi qui as caché Tartine. Dis-nous où elle est. Et toi, as-tu déjà fait une blague à quelqu'un? Est-ce que tu peux nous raconter? Et toi, est-ce que tu as déjà fait une blague, ça veut dire une farce, à quelqu'un? Est-ce que tu peux nous raconter? Voilà. C'est ça donc la correction des questions de l'oral. Qui est Tartine? Tartine est la tortue de la classe. Où est-elle installée? Elle est installée dans le jardin, dans la cage, dans le jardin à l'abri du mur. Pourquoi est-ce la catastrophe mardi? Mardi, c'est catastrophe car Tartine a disparu. Qui a caché Tartine? C'est Romane qui a caché Tartine. C'est pas n'importe qui, c'est Romane qui a caché Tartine. Alors, as-tu déjà fait
blague ou une farce à quelqu'un d'autre, est-ce que tu peux nous raconter? Et encore fois, la lecture de ce texte, de cette histoire, voici Tartine, hein? Voici la cage, dans le jardin, à l'abri du mur. Et voici Pacha. Et voici Lila. Alors, Tartine a disparu. Lila est ravie. Elle garde Tartine, la tortue de la classe. Elle a installé la cage dans le jardin à l'abri du mur. Elle lui a porté de la salade et Tartine a sorti sa tête. Mais le mardi, catastrophe. Tartine a disparu. Le père et la mère de Lila cherchent la tortue. Mais pas Romane. Soudain, maman comprend. Elle dit, Romane, c'est toi qui as caché Tartine. Dis-nous où elle est. Voilà, c'est toute une histoire. Alors voici Romane, voici Lila, voici la mère de Lila et Romane, et voici le père de Lila et Romane. Et alors toute la famille ici cherche Tartine, la tortue. Et voici Pacha qui regarde par la fenêtre. Thank you.